Bonsoir à tous, bienvenue dans cette vidéo où je vous présente Marie qui a fait partie du musical puisque c'est la musicienne qui m'a aidée à mettre les notes et à illustrer musicalement les portées et chaque carte. Voilà, c'est une présentation impromptue, hein, on a décidé ça comme ça. Et puis c'est surtout qu'on avait envie de vous parler de ce musical et Marie va vous en parler mieux que moi. Oui, donc bonsoir, effectivement on va vous présenter ce jeu. Alors on l'appelle ton musical puisqu'au départ Katia souhaitait faire des cartes, enfin en tout cas créer un jeu de cartes avec une portée. Et une portée pour moi ça fait référence à la musique. Donc, elle m'a invitée à venir la soutenir et éventuellement, comment dire, illustrer ses portées. Alors, c'est sûr que ça n'a pas de vocation musicale quand on regarde les cartes, hein, effectivement, il y a des notes. Mais en fait, ce que j'ai essayé avec Katia, bien évidemment, de mettre des symboles en fonction des cartes. Alors, par exemple, un exemple tout bête, si on prend la carte 2, qui est donc le duel, la moitié et la sensibilité. En fait, on voit, je ne sais pas si vous voyez vraiment bien. Voilà. Donc, on voit une barre de reprise. Alors, on voit des petites notes. Ici, la barre de reprise. Voilà, on voit des petites notes au-dessus qui vont illustrer effectivement des gens qui vont se battre ou du moins qui seront dans une problématique. Et la barre de reprise, elle fait référence au ring, de la boxe, du catch, etc. Donc voilà, la barre de reprise en musique, ça veut dire qu'on joue un morceau et puis quand on arrive à la barre de reprise, et on recommence là où on avait commencé, on le refait une seconde. Voilà. Voilà, par exemple. Y a un autre exemple aussi, donc la carte 36, où on est dans l'échange, le don. Donc on voit effectivement qu'il y a quelqu'un qui reçoit et quelqu'un qui donne. Et au-dessus de celui qui reçoit, on voit un signe, le bémol. Et qui celui, est là sur voilà, cette au-dessus, partie-là. Voilà. Et celui qui donne, eh bien, en fait, rétablit l'équilibre. Et donc la note devient bécard. Ça veut dire qu'on rééquilibre la note. Elle est en dessous et tout d'un coup, voilà, on la ramène à une autre valeur. Voilà, donc c'est encore, encore une autre, par exemple la 55, qui fait référence à l'agressivité, les tensions et explosifs. Ah oui, voilà, c'est plutôt tendu, donc, c'est fort. Encore une fois, il y a trois symboles, le F, ce qui veut dire fortissimo en musique, voilà, tout simplement. Alors, peut-être une dernière, parce que celle-ci, elle me tenait à cœur. C'est la 37, c'est le cœur loyal, la fidélité et l'amitié. Et donc, on a mis un diapason, voilà, un petit diapason juste devant la carte pour rappeler l'harmonie dans une relation, qu'elle soit d'amour ou d'amitié. Voilà. Et qu'elle sonne avec la même note, et qu'elle sonne à l'unisson. Une autre, c'est la 54, la décrescendo. Voilà. Attends. Voilà, décrescendo. Donc, oui. Envie d'autonomie. Envie d'autonomie, décrescendo. Donc, on voit le sigle en haut. Hein. À droite, ici. Là. Voilà. Voilà, donc effectivement, c'est décrescendo. Et le soupir. Et le soupir, la personne qui soupire, qui en peut plus. Voilà, qui en peut plus, et on est décrescendo, ça veut dire qu'on arrive à, avec une note, un son très fort, et en fait, on arrive, c'est de plus en plus bas. Voilà, c'est ça le signe. Il y a les clés aussi. Voilà, bon, il y a celle-ci aussi, on ne va pas toutes les faire, mais... la 28 qui est le partenariat, l'alliance. Donc, on a opté pour mettre, voyez, donc une clé de sol et une clé de fa. Donc, la clé de sol qui est pour certains instruments comme la guitare, le piano, le violon, violoncelle et la clé de fa
qui est plus pour les instruments basses, le baryton, la basse, la contrebasse, etc. Le piano, ceci dit aussi, a aussi une double clé, puisqu'il a la clé de sol et la clé de fa. C'était pour dire que dans un partenariat, chacun amène sa richesse, ses clés, et voilà. Donc, toutes ces cartes font référence à des sigles musicaux, et j'ai beaucoup apprécié de travailler avec Katia, parce que c'est une créatrice pleine de talent, pleine d'idées. J'avais bien besoin d'elle quand même, oui, je le précise. Oui, mais j'ai trouvé ça vraiment très très intéressant, et apporter cette petite touche m'a procuré beaucoup de plaisir. Et c'était pour moi voilà. une richesse en plus que d'avoir Marie à mes côtés, vraiment. Je voulais vous dire aussi que le musical, en fait, il a donc 55 cartes, mais il y a 56 numéros, il y en a une qui en porte deux. Mais surtout, le ton musical, si vous faites le nombre, si vous essayez de faire la numérologie, c'est le numéro 36. Je l'avais fait volontairement avec cette vibration-là. Voilà. Et puis, nous allons vous quitter sur ces notes d'amour. Oui. Parce qu'avec Marie, on s'aime. On s'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et voilà, je voulais absolument vous la présenter. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bientôt.